Jacqueline Dulac pour 50 ans de chansons. Et oui, déjà, vous ne les faites pas. Et c'est l'occasion de cet album avec vos plus grands titres et puis trois petits nouveaux, ainsi qu'un bonus. Jacqueline Dulac, votre carrière a commencé grâce à Guy Lux. Et bien sûr, ce n'est pas un bonus, mais c'est vraiment Guy Lux qui vous a donné votre chance avec le palmarès des chansons. Oui. Vous chantiez des chansons connues. Exactement, des chansons de Béco, y compris C'est beau la vie de Michel Senlis et de Jean Ferrat. Oui. Et c'est en me voyant à l'émission que Michel Senlis et Claude Delécluse ont pris contact avec moi et m'ont proposé des chansons. Alors votre interprétation, votre personnalité leur a plu, ils se sont dit on va s'occuper de cette petite. Voilà, et exactement. Et donc ça a été le début d'une carrière. Toute ma vie, elles m'ont fait mes chansons. C'est devenu après une histoire d'amitié, bien sûr, mais il y avait aussi quand même Francis Lay qui me faisait les musiques. Francis Lay, c'est pas rien. Quand même, t'es bien servi. Parce qu'après ceux de Varsovie qui étaient d'Eddy Marnay, où elles m'ont rencontré, après, j'ai fait Lorsqu'on est heureux. Et là, Lorsqu'on est heureux, c'était Francis Lay. On l'a fait en direct, tous les deux, lui à l'accordéon électronique, moi je chantais. On a fait deux prises, on ne savait pas laquelle choisir, on en a pris une, et ça a marché merveilleusement. Et alors, ceux de Varsovie, c'était La Rose d'Or d'Antibes. La Rose d'Or d'Antibes. Voilà. Oui, à ce moment-là, je faisais une tournée avec Marcel Amont. Quand je suis revenue dans la tournée, après les 3 ou 4 jours passés à Jure-les-Pins, j'étais passée d'anglaise à américaine. Parce que tout le monde me connaissait, évidemment. Ouais. C'était tellement important. À l'époque, c'était important. Oui, c'était très... Alors, à propos de Michel Senlis, qui a écrit tous les textes de vos chansons, il y a une actualité, c'est qu'elle vient de sortir un petit recueil de poésie. C'est ça ? Du cœur à l'aubier. Qui est absolument superbe, que j'adore. Alors. Et qui est un hommage à Claude Delécluse, qui a fait les chansons avec elle, parce qu'elles ont quand même fait des chansons pour Piaf. Hein, c'est à Hambourg. Hommage à Claude Delécluze. Moi, j'ai su les verres au fond du café. Par Michel Senlis, grands écrivains de chansons. Et on est heureux de la citer aujourd'hui. Merci, Jacqueline, pour cette présence au Grand du Rire, pour ces 50 ans de chansons en album. Ceux de Varsovie, Jacqueline Dulac. Ceux de Varsovie, de Liverpool ou bien d'ailleurs, ceux de l'Italie, du Nouveau Monde ou bien d'ailleurs, ils chantent comme nous, ils s'aiment comme nous, ils ont la même faim de vivre. Ceux qui n'ont jamais connu les neiges du printemps, ceux qui n'ont jamais connu le bleu des océans, ils marchent comme nous, ils savent comme nous le prix des larmes ou bien des rires, qu'il n'ait pas les mêmes yeux, qu'il n'ait pas la faut bien un jour qu'il meure ou qu'il naisse.